بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. Le prophète عليه الصلاة والسلام a dit ce qui signifie « Savez-vous ce qu'est la médisance, al-ghiba ?» Ils lui ont dit « Allah sait plus que tout autre et son messager sait plus que nous. » Il a dit ce qui signifie « C'est mentionner ton frère par ce qui lui déplaît. » Il fut dit « Que dirais-tu si ce que j'ai mentionné est vrai à son sujet ?» Il répondit ce qui signifie « Si ce que tu as dit est vrai à son sujet, c'est de la médisance. Et si ce que tu as dit n'est pas vrai à son sujet, c'est de la calomnie. » Ce hadith était rapporté par Muslim. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a fait connaître dans ce hadith deux péchés parmi les péchés de la langue, qui sont la médisance, al-ghiba, et la calomnie, al-buhtan. La médisance, c'est mentionner ton frère musulman en citant ce qui lui déplaît, des choses qui sont vraies à son sujet, et ce, en son absence. Par exemple, si un musulman a dit d'un autre musulman « un tel est borgne », alors que ce dernier n'accepte pas qu'on dise de lui qu'il est borgne. Celui qui l'a dit a commis le péché de la médisance. Quant à la calomnie, c'est mentionner ton frère musulman en son absence par quelque chose qui lui déplaît et qui n'est pas vrai à son sujet. Par exemple, si un musulman a dit d'un autre musulman en son absence « un tel est menteur », alors qu'il ne l'est pas, celui qui l'a dit a commis la calomnie. C'est un péché plus grave que la médisance. Le musulman ne doit pas faire de tort au musulman et il convient qu'il ait un bon comportement. S'il trouve un défaut en son frère, il le cache et ne le dévoile pas devant les gens. La médisance et la calomnie entraînent disputes et querelles entre les gens qui s'aiment et entre les amis. Alors garde-toi de commettre la médisance et la calomnie. Quant au fait de mentionner des défauts d'une personne dans l'objectif de mettre en garde les gens, comme par exemple la mise en garde contre quelqu'un qui triche au sujet de la nourriture ou qui trompe les gens au sujet de la religion, ceci est autorisé par l'unanimité des savants. Plus encore, c'est un devoir car ceci relève de l'obligation d'interdire le mal. Je finis en demandant à Allah Ta'ala de nous accorder sa miséricorde et d'augmenter notre connaissance. Que la paix et le salut soient sur vous et à la prochaine.